En 2016, l'économie du Tchad, à l'instar des autres du monde, faisait face à une régression provoquée par la chute du prix du baril du pétrole. Se projeter avec optimisme vers l'avenir paraît difficile. Pourtant, le 8 août, dans son discours de prestation de serment, le chef de l'État annonçait que l'ambition de l'exécutif tchadien serait d'œuvrer à l'amélioration du climat des affaires. 2 ans plus tard, et en dépit de la crise, les réformes ont été engagées. Pour le directeur général de l'Agence nationale des investissements et exportations, ANI, il est aujourd'hui plus aisé de créer une entreprise au Tchad. Le gouvernement a mis en place le guichet unique de création d'entreprises logées au sein de l'ANI. Au niveau de ce guichet, tous les services de l'État concernés par la création de l'entreprise sont regroupés. Depuis la création de ce guichet unique, le président de la République a fait beaucoup de choses. La première chose, c'est de demander une simplification des procédures de création d'entreprise. Entre-temps, les procédures étaient trop longues. Nous étions en 2011 au niveau de 13 durs. Ces 13 procédures ont été réduites à 9. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de 4 procédures. La procédure au niveau du registre commerce, la procédure au niveau des impôts, la procédure au niveau des ordres et, in fine, le promoteur à son autorisation administrative de création d'entreprise. Les coûts ont été réduits. Aujourd'hui, un jeune, une femme, un entrepreneur a la possibilité de créer son entreprise avec 36 millions de francs. Ces 36 millions sont répartis entre les différents services de l'État, les trésors, les impôts, ainsi de suite. Chacun trouve son compte dans les 36 000 francs. Également, le nombre de jours. Aujourd'hui, dès que le dossier est complet et déposé au niveau du guichet unique, vous avez la possibilité d'avoir votre dossier dans la fourchette 24-72 heures. Il y a cela quelques années, le capital d'une entreprise, société à responsabilité limitée, était fixé à 1 million. Le gouvernement a ramené ce capital à 100 000 francs CFA. Maintenant, vous pouvez créer une société à responsabilité limitée avec 100 000 francs. La Banque mondiale comptabilise dans ses délais de création d'entreprise 30 jours au niveau de l'ONAP. C'est pas vrai. On dit qu'un dossier peut mettre 30 jours au niveau de l'ONAP pour pouvoir accorder l'accord. Donc le gouvernement a pris l'ordonnance pour réduire ces délais de 30 jours à 7 jours maximum. Selon les statistiques de l'ANI, l'année 2017 a vu une augmentation du taux de création des entreprises de 18,35% par rapport à l'année précédente. Il y a eu en tout 4463 entreprises créées. Les entreprises individuelles battent leur record avec le nombre de 3551, suivi des sociétés à responsabilité limitée avec 780 nouvelles entreprises qui ont vu le jour. Les réformes engagées et les potentialités du Tchad dévoilées dans son plan national de développement ont payé. Et au lendemain de la table ronde de Paris, on assiste à l'arrivée de plusieurs hommes d'affaires étrangers. Illustration, le président turc, en visite officielle en décembre 2017, a amené une horde d'hommes d'affaires. S'en est suivi, quelques mois plus tard, plusieurs signatures de conventions. Les investisseurs marocains et russes également ont fait leur premier pas au Tchad. Le DG de l'ANI souligne que cet intérêt pour le Tchad est légitime au vu des immenses potentialités, surtout agricoles, dont regorge le pays. Du Tchad ou de l'extérieur, les femmes et hommes d'affaires sont les créateurs des richesses et des emplois qui permettront au Tchad d'accélérer son développement. Leur offrir un cadre adapté et aisé pour développer leur ingéniosité demeure donc un impératif si le gouvernement tchadien tient à gagner le pari du développement durable.